m'appelle Hervé Bittol, je viens de Savigny-le-Temple et je boxe pour Savigny-le-Temple. Je suis actuellement champion du monde de full contact. Donc ma catégorie de poids, j'ai toujours boxé en 63 kg, 63,5, super léger. Mon premier sport c'était de la danse antillaise, de la danse folklorique. Je suis arrivé ici à 17 ans et dès lors j'ai découvert le club de Bruce Mélano, club de boxe française. Donc j'ai commencé par ça. Et j'étais pas assidu au départ. Et après l'armée, je suis devenu compétiteur en kickboxing et en boxe française. D'où j'ai eu un titre en boxe française en vice-champion de France. Ensuite, j'ai continué par le kickboxing, ma discipline, et on a évolué aussi avec le full contact. Donc en kickboxing, j'ai eu presque tous les titres. J'ai été champion de France de kickboxing. Et avec le full contact, j'ai été champion de France, champion de France. Et récemment, l'année dernière, j'ai été titré, enfin fin d'année, j'ai été titré mondialement. J'ai eu le titre de champion du monde de full contact. Voilà, donc je suis aussi entraîneur pour les enfants, les ados et les loisirs adultes et enfants. Voilà. Donc tes ambitions pour l'année prochaine en soi. Mes ambitions donc pour l'année prochaine, c'est de voir un club évoluer avec Claude, Raphaël et plein d'autres personnes qui vont nous aider. Donc Claude Vincent Sully et voilà. Raphaël Zakata. D'accord. Donc on essaie de monter une structure. À mon avis, c'est en bonne voie et je pense que ça promet. Parce que Raphaël fait déjà un très bon boulot. Et avec la coopération de Claude qui lui aussi fait un très bon boulot par rapport au kickboxing avec les ados. Il a eu beaucoup de titres avec les ados, notamment ma fille, je suis fier de le dire. Elle a été championne de France de kickboxing et plusieurs fois titrée en full contact. J'espère qu'elle va continuer. Après, j'oblige personne à continuer. Mais que ce soit dans le sport de combat ou... Moi, ce que j'aimerais, c'est que qui que ce soit fasse une activité physique, ce serait très bien déjà. Ok, est-ce que tu aurais des remerciements Bien sûr, particulières ? Je remercie tous ceux qui m'ont aidé jusqu'à présent pour avoir eu mon titre. Déjà, ma femme, parce que c'est pas facile d'être la femme d'un sportif de haut niveau. Ça demande des sacrifices, surtout quand on a des gamins. Ensuite, mes entourages, Claude Vincent Sully, Raph, il m'a souvent ouvert la porte dans son dojo. Donc, je remercie tout le monde, même la mairie, je les remercie parce qu'ils nous ont vachement aidés pour les horaires et ceci, ils nous ont bien aidés.